Bonsoir à toutes et à tous. Karine Mongin, je suis la directrice de l'enseignement et de la vie étudiante à l'École nationale supérieure de paysage. Donc, bienvenue dans le grand amphi de l'école pour une table ronde qui accueille aujourd'hui des paysagistes concepteurs, donc des paysagistes concepteurs en exercice, qui ont tous été formés à l'École du paysage à Versailles et qui, ce soir, vont pouvoir vous parler du métier de paysagiste concepteur, de leur pratique du métier, de la façon dont il évolue aussi, du quotidien d'un paysagiste concepteur, et puis aussi de la façon dont aujourd'hui et des compétences et des aptitudes qui sont nécessaires pour faire ce métier. Alors, je vais d'abord leur demander de se présenter, de nous dire à quelle année ils ont été diplômés de l'école et puis dans quelle structure ils travaillent. Oui, bonjour, Héloïse Bouvut. Donc moi, je suis diplômée de la promo 2011-2015. Je suis entrée à l'école après avoir fait un BTS en arts appliqués à Olivier de Serres, donc à Paris. Et à l'école, j'ai fait le master EMILA, qui est le master européen. Et donc, j'ai fait un semestre à Barcelone et puis un semestre à Édimbourg. Et juste après mon diplôme, je suis retournée à Barcelone pour travailler dans une agence qui, en fait, est installée à Gérone, donc en Catalogne, et qui s'appelle l'agence EMF, Estudi Martí Franc, où j'avais fait mon stage. Et c'est une toute petite structure de 6-8 personnes. Et j'y suis restée pendant 5 ans en tant que chef de projet. J'ai pu travailler sur des projets assez variés. La plupart des projets en France, en fait, c'est une agence qui a une activité sur tout le bassin méditerranéen. J'ai fait des projets en France, aussi en Italie, etc. Et surtout sur des projets pour des milieux naturels, sur des sites naturels ou des sites touristiques. Et voilà, quelques mots. Et à côté de ça, à côté de cette activité, donc dans une agence en tant que chef de projet, on a continué avec Simon à mener des projets personnels en parallèle. Eh bien, Simon, à votre tour. Donc, je m'appelle Simon Gavillard, je suis aussi un paysagiste concepteur, du coup, diplômé en 2015, la même promotion qu'Héloïse. Que moi, je suis rentré à l'école après un BTS aménagement paysager que j'avais fait à Nantes, enfin, dans la banlieue nantaise. Et donc, j'ai travaillé 5 ans aussi en tant que chef de projet dans une autre agence de Barcelone, une grosse agence d'architecture et de paysage qui s'appelle Badiaïologue. Un peu difficile à prononcer, mais après, on s'habitue. Et dans laquelle j'étais chargé de projet et responsable en fait de deux gros projets plutôt de grande envergure en France, qui étaient le nouveau parc des expositions de Toulouse et une grosse zone d'activité au sud de Lyon, en bord du canal du Rhône. En parallèle, donc c'était des gros projets de gestion classique, de gestion de projet, gestion de chantier. Et j'ai aussi participé en fait au développement de l'agence au niveau européen avec d'autres concours sur Bruxelles, sur Paris, dans le sud de la France. Et même plus loin à l'international parce que ces projets sont développés après jusqu'au Moyen-Orient. Et voilà. Et en parallèle, donc, comme le disait Louise, on a continué à travailler, à maintenir une activité propre à côté qui s'est cristallisée notamment sur des concours jeunes professionnels type Europan gagnés et qui sont en train de se poursuivre, et sur l'élaboration d'un plan de paysage, donc un volet du métier de paysagiste qui est plutôt dans la planification de grande échelle dans les Pyrénées. Merci. Bonjour, donc je suis Valentina Régui, je suis paysagiste depuis 2001, donc c'est un petit peu plus ancien. J'ai fait 2 ans d'architecture avant d'intégrer l'école du paysage à Versailles. Et j'ai fait mon cursus en 4 ans, mais je me suis interrompue pour partir. J'ai fait 1 an de césure pour soutenir un projet en Chine, qui a d'ailleurs été encouragé par l'école. Et j'ai fait le jardin du consulat de Shanghai avec une amie. Et après, j'ai passé mon diplôme sur un sujet chinois et je suis partie exercer en Chine quand j'ai été diplômée. Après, je suis partie en Suisse pendant 3 ans. Et puis, je suis quand même revenue en France, où j'ai exercé pendant 7 ans dans un bureau d'études avec des ingénieurs. Donc, j'ai appris un peu la technique du métier. Et puis après, j'ai intégré une école, une, une,
une agence d'architecture et d'urbanisme dans laquelle on m'a demandé de monter un pôle de paysage. Donc, j'ai commencé toute seule et puis finalement les choses se sont bien développées. J'ai travaillé dans une agence qui réhabilitait des quartiers sociaux à l'époque de l'ANRU. Et j'ai finalement encadré une petite équipe de paysagistes. C'était voilà, une phase très, très chouette de ma vie, une agence dans laquelle l'ambiance était très bonne. Et après, j'ai décidé de m'orienter plutôt sur... de faire un virage et de répondre à une offre d'emploi pour rentrer dans la fonction publique territoriale en intégrant l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France qui travaillait sur les espaces naturels régionaux. Et donc, changement de matière, de passer de la ville à l'espace naturel, c'était aussi ce que je souhaitais faire pour donner, voilà, pour continuer d'apprendre et se renouveler aussi dans ce métier. Ça fait 7 ans que je suis à l'Agence des espaces verts. Merci. Alors, nous allons accueillir une quatrième paysagiste concepteur tout à l'heure, qui est Laure Planchet, qui est un peu coincée dans les bouchons, mais qui a dit qu'elle nous rejoindrait. Donc, ne vous étonnez pas si tout à l'heure, quelqu'un, une personne rentre dans le champ de la caméra. Alors, en fait, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, puisque vous avez tous eu une expérience à l'international, voire plusieurs, c'est d'abord, est-ce que c'est difficile d'aller travailler à l'international quand on est paysagiste, concepteur formé en France? Et là-bas, comment être apprécié un paysagiste concepteur formé en France à l'école du paysage de Versailles? Est-ce que, voilà, comment les gens perçoivent finalement votre formation et qu'est-ce qu'elle vous apporte? Comment vous-même, vous pouvez la percevoir par rapport aux autres paysagistes formés dans les autres pays où vous avez travaillé? Qui est-ce qui voudrait commencer? C'est eux, je crois. Nous, c'est peut-être un peu différent. Peut-être que mon expérience sera un peu différente parce qu'en fait, on a travaillé tous les deux à l'international, mais en ayant une grosse part de notre activité, en fait, pour la France. Donc, on faisait relais, en quelque sorte, à Barcelone pour mener des projets en France. Néanmoins, on a quand même aussi fait des projets sur place et dans d'autres pays. Moi, il me semble en tout cas, depuis l'Espagne. L'Espagne, ce n'est pas un pays avec une tradition de paysage forte. Par contre, c'est un pays avec une tradition architecturale très forte, et notamment aussi sur les espaces publics. Donc, il y a une grande qualité de dessin de l'espace public, d'attention aux détails, etc. Par contre, ce qu'on apporte en venant de Versailles, c'est une attention au territoire, de savoir lire la grande échelle, d'avoir une attention au site, d'être peut-être aussi beaucoup plus facilement porté à travailler avec la végétation elle-même et pas seulement avec les matériaux. Et puis j'ai l'impression qu'à Versailles, on apprend aussi beaucoup à parler du paysage et à transmettre ce qu'est un paysage, à transmettre les qualités du site, à donner ce goût-là à d'autres. Et ça, il me semble que c'était apprécié à Barcelone. Oui, puis en plus c'était assez facile en fait d'accéder, assez facile, pas complètement non plus, d'accéder à l'international parce que le diplôme de Versailles est assez reconnu en fait, au moins à l'échelle européenne. On te laissera compléter sur la Chine, sur la Chine, mais c'est quand même une école qui fait foi en termes de qualité d'enseignement et de qualité de compétences et des parcours qu'ont suivi justement les jeunes diplômés. Et qui apporte vraiment une vision complémentaire à ce qui a été, aux formations qui sont présentes en Espagne. Et en Espagne, par exemple, la formation de paysagiste n'existe pas à part entière. Il y a un master aujourd'hui qui est en cours et qui fonctionne, mais ils n'ont pas encore ce diplôme réel de paysagiste. Donc c'est même, si on parle après de manière un peu plus technique, même en termes d'accès au marché, il n'y a pas de paysagiste qui peut être mandataire ou qui peuvent diriger vraiment les projets qui sortent là-bas. Il faut que ça passe par des associations avec des groupements d'architectes. Et donc, le point de vue français là-dedans, au-delà même de ces compétences de grande échelle, c'est aussi d'apporter aussi une vision pluridisciplinaire et d'être capable de s'entourer et de générer des bureaux, de créer des équipes, ingénieurs, sociologues, éthologues, qui ont des visions un peu complémentaires justement sur les questions du projet et qui sont difficiles à accepter pour le cas de l'Espagne, parce que généralement, c'est des structures qui sont, on va dire, assez solides et assez consolidées dans leur manière d'exercer, mais en fait très intéressantes pour eux, parce que c'est des points de vue qui sont croisés justement et assez riches.
D'accord, merci. Moi, je dirais rapidement qu'en fait, je pense que le fait de partir à l'étranger était une volonté de ma part parce que j'avais beaucoup d'appétit, envie de découvrir. Je pense qu'on nous fait voyager en France et en Europe quand on peut, pendant nos études. Et j'avais envie de découvrir une culture différente. Donc, ça venait, je pense, déjà de moi. Et puis, je pense qu'effectivement, la culture du projet, c'est vraiment quelque chose qu'on nous inculque à l'école et qui, dans les pays asiatiques, notamment la culture du projet de paysage, était encore, à l'époque où j'y étais, complètement étranger, complètement novateur. Et du coup, ils étaient très en demande de réfléchir à comment accompagner leur architecture, comment révéler des paysages relativement puissants et comment apporter un peu de bien-être en ville. Voilà, mm-hmm. Je pense que c'était... C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé là-bas. Après, j'avoue quand même que la barrière culturelle est assez lourde et assez pesante. Et le saut de l'échelle de la Chine à la Suisse a été assez salvateur. Et vous avez dit un mot, c'est justement la culture du projet, le projet de paysage. C'est vrai que lors de mon intervention tout à l'heure, je disais que le projet de paysage, c'était au cœur de la formation du paysagiste concepteur. Hein, c'est presque 50% du temps d'enseignement. Et un projet de paysage, qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que vous pouvez nous dire, évidemment en quelques mots, parce que c'est quelque chose qui est très complexe, mais en quelques mots simples, expliquer ce qu'il y a derrière cette notion de projet de paysage? Le projet, c'est la façon d'arriver à inventer quelque chose de nouveau sur un site, sur un espace, qui, en fait, s'inspire d'un existant puissant, puisqu'il est toujours à révéler, et je pense que ça, c'est vraiment une capacité du paysagiste, c'est d'être à l'écoute du site. Et d'arriver, en fait, à, je pense, rassembler une grande, grande pluridisciplinarité au service d'un nouveau concept, d'un nouveau projet. Et alors, ça peut être la connaissance des sols, de l'écologie, d'une vision sociale, de fonctionnalités urbaines, d'un urbanisme, de l'ombre, du soleil. Toutes ces données sont prises ensemble au service d'un espace qui peut être minéral ou végétal, ou jouer avec le vivant, au service des gens quand même, souvent, au service des non-humains aussi, pour ma part, puisque je travaille plutôt dans les espaces naturels. Et puis après, c'est un espace qui... le projet, il s'arrête à la livraison, au chantier, et puis j'estime personnellement que il se continue après dans sa vie d'espace à l'usage du public et il a devoir d'évoluer aussi. Voilà, ça, c'est pas quelque chose qu'on démoule comme un bâtiment en fait. Mm-hmm. Sur la question du projet, est-ce que vous voulez compléter aussi, c'est-à-dire peut-être cette notion de processus aussi qu'il y a derrière le projet, c'est-à-dire un temps long avec des étapes en fait? Pour un paysagiste qui mène un projet, quelles sont les grandes étapes par lesquelles il passe justement pour faire projet? Est-ce que vous voulez... compléter? Oui. C'est une notion qui n'est pas... Voilà, pour les experts, les experts savent ce que c'est, mais c'est vrai que quand on n'est pas dans ce milieu, un projet de paysage, on peut se demander ce que c'est. Et effectivement, cet aspect d'un processus qu'on suit est important, à mon avis, de décrire, même en termes assez simples. Oui, c'est déjà une question aussi de prise en compte des échelles aussi, par rapport à ce que tu disais, l'échelle de la transformation, parce qu'un projet de paysage, c'est avant tout un projet de transformation. Donc, qu'est-ce que peut devenir un espace? En fait, cet espace, il peut avoir différentes tailles, donc des échelles qui peuvent être très réduites, mais des échelles qui peuvent être très grandes. Vous pouvez donner quelques petits exemples? Par exemple, ça peut être la transformation d'un jardin. Donc, c'est un espace clos qui est un peu fermé, qui est dans un habitus ou dans une manière d'être vécu par une famille en particulier, dans des choses qui sont quotidiennes, mais ça peut être aussi plus large, comme une place publique ou une rue ou un quartier, ou dans le cas par exemple de plans de paysage, c'est de la planification qui se fait à des échelles territoriales. On parle de plusieurs municipalités, territoires entiers, c'est des centaines de kilomètres carrés en l'occurrence dans ce genre de cas. Et en fait, c'est le projet de paysage convoque à chaque fois toutes ces échelles. Même si on traite d'un petit sujet, on va forcément, ou le paysagiste, ou au moins comme on l'a appris ici, va forcément passer par toute une série en fait, de questionnements depuis la grande échelle
jusqu'à cette échelle-là. Et aussi dans des échelles de temps, c'est-à-dire qu'on accepte la question de la transformation, on n'est pas forcément dans une... Enfin, le projet de paysage n'est pas forcément dans une vision figée d'une transformation qui va être pérenne pour des centaines et des centaines d'années, mais de se dire, bah, ne serait-ce que géologiquement, bah, tout est en transformation tout le temps, des fois de manière complètement imperceptible parce que c'est vraiment très long, et nous, on va participer de cette transformation. Et ça peut être une transformation très grande, ou des fois, c'est des actions qui sont très très simples, très fines, et qui visent juste à faire changer la manière dont les gens perçoivent en fait aussi les territoires qui sont des fois quotidiens. Et du coup, ces phases du projet, si tu veux répondre sur les phases du projet, c'est un peu ça, c'est d'abord, il y a toujours cette étape de visite de terrain qui est indispensable pour nous, d'aller découvrir justement ces territoires, de voir comment ils fonctionnent, quelle en est la lumière, quelle en est la matérialité, comment il est vécu, quels en sont ses habitants. Il y a toute une phase de recherche, de rencontre avec les différents acteurs de ces territoires-là. Il y a une phase souvent aussi de recherche documentaire aussi, un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans le temps et dans l'histoire sur ce site, pourquoi il a cette forme-là aujourd'hui, d'essayer de comprendre en fait comment il est construit, avant une autre grande phase qui est celle plutôt créative de la transformation et toutes les études qui découlent justement de cette volonté de transformation et jusqu'à la phase chantier, on va dire, et qui est vraiment la transformation en tant que telle et la livraison. Et on pourrait rajouter quelque chose sur laquelle nous, on n'a plus prise après, mais qui est comment ce site est vécu par les habitants auxquels il est dédié. C'est vrai que le temps long, c'est important. Toi, tu es rentré dans l'agence pour travailler sur un projet. Ça fait 5 ans et le projet était à peine fini. Enfin, des fois, il y a des projets qui s'étirent comme ça sur des années, qu'on suit à différents moments, qui commencent par un petit endroit, puis qui, au final, s'étendent à tout un quartier. Et puis, il y a d'autres fois des projets qui sont sur des échelles beaucoup plus courtes. Faire un jardin, ça peut prendre 1 an et demi. Et après, c'est fini. Mais je pense que dans la pratique de nos métiers, quand on est en maîtrise d'œuvre au quotidien, il y a un peu ces deux temps, des fois des temps très rapides, et puis des temps de projet où pendant des années, on accompagne le même site, on rencontre les mêmes acteurs, etc. D'accord, merci beaucoup. Nous accueillons Laure Planchet, qui est sortie de la circulation et des embouteillages, avec plaisir. On avait donc commencé la discussion, mais Laure, on a commencé par une présentation. Chacun s'est présenté en disant de quelle promotion il était issu à l'École du paysage et dans quelle structure il ou elle travaillait actuellement, ainsi que les structures passées. D'accord. Pour regarder la caméra. Bien, bonsoir, je suis vraiment désolée pour ce retard. Alors, Laure Planchet, paysagiste et urbaniste, et je suis de la promo 1990-1994, donc je pense que je suis la plus âgée des paysagistes de la table. Mon parcours, il est simple. À peine sortie de l'École du paysage, eh bien, je suis allée m'inscrire à l'URSSAF, et j'ai monté ma structure, et donc j'entame la 27e année à mon compte. Voilà. Et donc j'ai une agence à Paris et je travaille France entière, plutôt sur de la maîtrise d'œuvre d'espace public, sur des échelles très variées. Et en parallèle à mon activité libérale, donc j'enseigne régulièrement en urbanisme et puis de temps en temps à l'École du paysage. Comme beaucoup d'entre nous, nous revenons au nid. Et je suis également paysagiste conseil de l'État. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez évoqué des mots tout à l'heure, c'est les mots de pluridisciplinarité. Aussi, vous avez évoqué le fait que vous travaillez avec beaucoup d'autres professionnels. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, c'est-à-dire de vos rapports, de vos relations avec les autres professionnels, et puis aussi du statut que vous pouvez avoir selon les contrats et les projets? Vous avez parlé de mandataires, associés. Est-ce que vous pouvez justement expliquer les différentes façons pour un paysagiste de travailler en collaboration avec d'autres professionnels? Allez, Valentine? Donc, tu prends une place. Ouais, merci, Laurence. Je vais donner deux facettes de l'expression de mon métier. Quand j'étais en maîtrise d'œuvre dans le privé, je travaillais essentiellement avec des architectes. Je dis bien avec des architectes parce qu'on peut aussi travailler pour des architectes. Mais moi, j'ai travaillé avec des architectes et des urbanistes, c'est-à-dire vraiment en collaboration et en partenariat.
J'étais parfois mandataire d'ailleurs. Et donc ça, c'est chouette parce que le paysage n'est pas juste l'accompagnement d'une volonté architecturale, mais bien le début de quelque chose et les deux disciplines rentrent en symbiose. Idéalement, ça c'est, on va dire, une équipe urbaine. Après, très souvent, on peut avoir un écologue aussi. Le malheureux, souvent, il a un rôle, je dirais, assez anecdotique. J'espère que les choses commencent à changer un peu, mais voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'ai voulu changer. C'est pour ça que j'ai changé de direction. Écologue, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir des pédologues, on peut avoir des sociologues aussi, travailler dans les quartiers sensibles. On est forcément accompagné d'un sociologue qui permet de connaître un peu plus le palpitant du quartier et nous permettre aussi d'arriver avec un projet qui soit mieux accepté, mieux partagé avec les usagers. Et puis on peut travailler techniquement avec des fontainiers, des gens qui ont une technicité particulière, des gens qui sont spécialistes en arrosage. Voilà, ça c'est vraiment le montage tel que moi je l'ai vécu dans des agences constituées. Et c'est vrai que depuis que je suis dans le public, j'ai d'autres partenaires et je travaille maintenant beaucoup plus du coup avec l'équipe des naturalistes parce que je travaille sur de l'espace naturel et donc la matière est différente et le vivant prend le dessus. Beaucoup avec des bureaux d'études techniques sur des sols pollués, puisque c'est aussi une grosse partie du métier désormais de travailler sur des friches industrielles et des friches d'anciennes décharges, voilà, de réhabilitation de ces territoires-là. Donc des géotechniciens, des gens qui nous apportent une technicité qu'on n'a pas. Et donc en tant que mandataire, donc on est pilote d'un projet, hein, c'est bien ça. Absolument. Après, on a des co-traitants ou des sous-traitants, mais on va dire que le mandataire, c'est lui qui, comme un pilote, donne l'objectif à atteindre. Et coordonne, du coup, l'ensemble des métiers. Vous avez parlé aussi de ce rôle, finalement, qu'a le paysagiste, de médiation, de médiateur. Comme vous le disiez, faire un projet, c'est plusieurs étapes. Et une de ces étapes, c'est d'aller justement au contact des usagers, des espaces ou des sites que vous allez transformer. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans ce cadre-là? Qu'est-ce qu'aussi les maîtrises d'ouvrage vous demandent de faire en tant que médiateur dans la conduite du projet? Alors, je peux peut-être entamer. Alors, effectivement, quand j'ai commencé mon activité, donc il y a 27 ans, le rôle de médiation était très peu présent, de même que le rôle des écologues était très peu présent, et on a assisté à une montée en puissance très importante de ces disciplines. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, sauf sur des cas très simples, on travaille en partenariat, entre autres, avec ce type de métier. Et la médiation, elle est d'autant plus subtile lorsqu'on travaille sur de l'espace public. Je compare souvent ça au rôle de l'architecte qui, lorsqu'il travaille pour un commanditaire, par exemple que ce soit un hôpital ou une école, les usagers, ils sont très facilement identifiés et identifiables. C'est les gens qui travaillent dans cet espace. Quand on travaille sur l'espace public, on s'adresse à tout le monde, puisque la caractéristique de l'espace public, c'est bien d'être le bien commun de la nation, inaliénable. Donc ça, c'est une position importante sur le plan philosophique, sur le fond. C'est-à-dire qu'on travaille pour tout le monde. Alors, c'est justement d'autant plus délicat de faire de la médiation, parce que s'adresser à des jeunes, à des vieux, à différentes catégories socio-professionnelles, à des gens qui ne sont que de passage, qui se promènent, d'autres qui habitent dans le quartier, donc qui travaillent dans le quartier. Donc on voit bien que, en fait, contrairement à un équipement construit, en fait, on a un éventail d'usagers extrêmement large et finalement assez peu défini, qui en plus, ces usagers, non seulement au départ l'éventail est très large, mais en plus il va fluctuer dans sa manière d'occuper l'espace public d'une saison à l'autre, d'une heure du jour ou de la nuit à l'autre, et puis au gré des saisons et des modes, par exemple le vélo, on l'a vu cet an dernier, est venu en force, un peu avant les trottinettes, les gyros
enfin les héros toutes seules là. excusez-moi, c'est très neuf pour ma génération. et donc du coup, notre métier doit accepter cette espèce de malléabilité des gens à qui on doit s'adresser. C'est ça qui rend ce métier fantastique, entre autres. C'est que, en fait, comme on s'adresse à tout le monde, il faut savoir finalement un peu se mettre à la place de beaucoup de gens différents. Même des gens au départ à qui on n'a pas forcément beaucoup de connaissances dans la manière de vivre l'espace public. Et donc, c'est pour ça que le travail avec des sociologues ou des gens dont c'est vraiment le métier de bien observer les espaces, mais surtout les catégories d'usagers, nous aide grandement quand la question posée est là. Malgré tout, je pense que offrir déjà une grande générosité d'espace et se dire qu'on va essayer de s'adresser au plus grand nombre possible, ça met aussi dans une prédisposition d'esprit, plutôt que de dire je vais m'adresser qu'aux jeunes, qu'aux vieux, qu'aux femmes, qu'aux hommes ou autres, ça oblige à beaucoup d'ouverture et de générosité. Cette posture justement du paysagiste qui va agir en vue du bien public ou du bien-être aussi, général. C'est très important aussi, Valentine, pour vous. Vous m'en aviez parlé aussi avant. Et d'ailleurs, le fait d'avoir intégré une structure publique, ça a été aussi cohérent avec cette vision-là du paysagiste. Oui, je rebondis sur ce que dit Laure. C'est vrai, l'histoire de l'espace public inaliénable. Moi, j'ai effectivement intégrer la fonction publique pour plein de raisons, mais aussi parce que j'avais envie de travailler pour l'intérêt général. Et je me souviens d'avoir dit, quand j'ai passé l'oral de cette école, que j'avais envie de changer les choses, de participer au changement, à la métamorphose des espaces. En travaillant pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour le public, pour les usagers, dans l'espace public, pas pour des promoteurs, oui, je trouve que ça donne d'autant plus de sens à mon métier, d'autant plus de sens à l'expression de mon métier. En plus, je travaille pour l'intérêt général, mais je travaille aussi pour la biodiversité. Et c'est un combat qui n'est pas très facile à mener. Il faut être assez militant. Et c'est parce que les oiseaux et les lapins ne votent pas. Du coup, il faut y croire très fort. Il faut surtout arriver à envelopper tout ça pour que globalement, on arrive à faire se rejoindre tous ces objectifs que sont cette réhabilitation, la satisfaction des usagers, la composition, une composition esthétique dans l'espace urbain et une cohabitation avec la nature. Voilà pourquoi on travaille. Et cet aspect environnemental, le paysagiste, il est très bien placé pour faire avancer justement les choses, c'est-à-dire que vos connaissances aussi vous permettent aujourd'hui de vous appuyer sur des dynamiques naturelles, de les régénérer d'une certaine manière à l'occasion de vos projets. Est-ce que vous avez un exemple de projet, vous pouvez évidemment répondre plusieurs d'entre vous, où la dynamique naturelle était au cœur de votre projet, c'est-à-dire, et qu'est-ce que vous avez réactivé d'une certaine manière? Un exemple de projet sur lequel j'ai travaillé, c'est sur un grand parc d'une soixantaine d'hectares en Italie. En fait, c'était un ancien aérodrome militaire, donc très plat, avec des bombes, donc des cratères au milieu. Et l'idée, c'était d'en faire un parc. L'idée de la municipalité, c'était d'en faire un parc écologique et ludique, mais bien sûr avec un tout petit euro, quoi. Très peu d'inversion, très peu d'investissement pour un très grand parc. Donc notre projet, ça a été de presque mettre tout le budget dans un travail de topographie, parce que c'est un aérodrome qui est sur une plaine inondable, donc avec une nappe phréatique très proche. Donc tout le travail a été uniquement de dessiner des canaux, de creuser des endroits pour avoir de l'eau et d'autres endroits pour avoir des zones sèches, et après de guider la colonisation de la végétation dans cet espace, donc avec assez peu de plantations, et de déclencher des processus qui après vont se continuer, et donc aussi de concevoir comment vont être suivis ces processus. Ça, je pense que les paysagistes travaillent avec des dynamiques naturelles, mais je pense qu'ils travaillent aussi à rendre visible ou à faire la relation entre
En fait, on n'est pas les spécialistes de la dynamique naturelle. Par contre, on peut s'appuyer sur d'autres spécialistes, un peu comme tu dis, avec le travail avec les naturalistes. Et je pense qu'on est aussi un peu un métier qui est un peu clé pour faire le lien entre le public et les enjeux écologiques. En fait, on va travailler sur la relation entre les deux. On travaille rarement seulement pour les animaux, on travaille aussi pour les animaux et pour les humains qui sont à côté. Et donc, de travailler pour les deux, je pense que ça, c'est important dans notre métier. Vous avez un rôle de passeur aussi, finalement. Oui, d'une certaine façon. Le quotidien d'un paysagiste, c'est quoi alors, finalement? Est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que vous êtes tantôt au bureau, devant vos ordinateurs, avec vos logiciels, tantôt sur le terrain. Quelle est la proportion terrain-bureau? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous dire actuellement, nous citer un projet, par contre, sur lequel vous travaillez aujourd'hui et comment, qu'est-ce que ça implique comme déplacement et comme articulation entre le dedans et le dehors? Ouais, bon, je peux peut-être commencer une expérience plus courte et j'imagine que tu auras différents points de vue après. Mais encyclopédique, peut-être pas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Il n'y a pas un quotidien type en tant que paysagiste, parce que comme on parlait des différentes phases du projet en amont, on conduit généralement plusieurs projets en même temps, donc en fait il y a peut-être des semaines types ou des mois types, mais qui vont arriver à croiser des moments où il y a des projets qui commencent, donc avec des visites de terrain ou la rencontre avec des habitants ou la rencontre avec des acteurs qui sont les politiques ou des fois des agriculteurs quand c'est des projets qui sont plus dans des zones rurales ou différents types de gestionnaires. Il y a des projets qui sont... Ça croise aussi, pas que des projets qui commencent, mais des projets qui sont en cours. Mais des projets qui sont en cours, c'est des moments qui sont peut-être plus créatifs, où on va rechercher différentes sources d'inspiration, où on va essayer graphiquement aussi cette transformation du projet. Et ça inclut aussi, dans cette semaine ou dans ce mois type, des projets qui sont en construction. Donc du coup, c'est plus des moments de visite de chantier, donc d'interaction avec des professionnels, des entreprises de travaux, donc de terrassement, de plantation, d'aller, le meilleur moment pour moi pour l'instant, c'est d'aller choisir des arbres en pépinière et de traverser la France et de se retrouver dans une pépinière par exemple au pied des Alpes et aller marquer les différents arbres qui seront plantés dans le cadre d'un projet ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment, oui, il y a des phases de bureau, il y a des phases où on s'ennuie à certains moments aussi, il y a toujours dans tout type de travail, il y a des moments qui sont un peu plus classiques, mais en fait, ils sont complètement gommés par l'intégralité en fait de l'exercice. Alors, vous voulez y répondre aussi. Oui, parce que moi, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Non, alors, je dois préciser, effectivement, quand on a son entreprise, enfin, son agence en l'occurrence, eh bien, on exerce deux métiers. C'est-à-dire qu'on a le métier de paysagiste, pour lequel on a été formé à l'école du paysage, entre autres, mais on exerce un autre métier qui est chef d'entreprise, pour lequel, sauf exception, on n'a pas du tout été formé. Donc on apprend sur le tas, on apprend quand on se jette à l'eau et qu'on apprend à nager. Alors ça, c'est pas facile tous les jours, et je dirais que c'est un perpétuel renouvellement. Il n'y a pas effectivement de journée type, et ça, quel que soit notre mode d'exercice, qu'on soit salarié, dans le public, dans le privé, ou chef d'entreprise, c'est effectivement très difficile de dire qu'il y a des journées types. Je voudrais rebondir, quand je suis arrivée, tu parlais effectivement du temps court et puis des temps longs. Je vais vous faire part d'une anecdote. Eh bien, en fin de semaine dernière, il y a une semaine jour pour jour, eh bien, je suis retournée, comme on dit, sur les lieux du crime. Je suis retournée voir un maître d'ouvrage avec qui je continue à entretenir de très bons rapports amicaux et plus du tout contractuels depuis 20 ans. Voilà, c'était mon premier grand parc toute seule que Karine connaît, qui a eu le Grand Prix national du paysage en 2012. Il a été conçu en 2002. Et pas plus tard que la semaine dernière, je suis retournée sur le parc, toujours voir mon maître d'ouvrage préféré, et mon ancien maître d'ouvrage préféré, le faire visiter à des étudiants urbanistes, et en profiter pour voir les arbres qu'on avait plantés, mais surtout semés, pousser. Voilà. Et c'est vrai qu'on vient presque 20 ans après la conception, et
presque 15, moins de 15 ans après, et voilà, il y a des arbres qui font presque 15 mètres de haut et c'est très émouvant. Voilà. Ouais. Donc, quand on parle des temps, vous voyez que c'est très, très élastique. Ça peut aller de quelques mois, voire quelques semaines sur de l'événementiel, jusqu'à plusieurs années et des temps très longs, facilement 10 à 15 ans. C'est aussi le temps de la construction de la ville, c'est le temps de reconstruction aussi d'espaces naturels parfois. Et c'est aussi très appréciable, alors qu'on est dans une société de très dans l'immédiateté, de se dire que ça fait 20 ans qu'on retourne là, quasiment chaque année. Et c'est des aventures humaines aussi très, très intéressantes. Mm-hmm. Alors heureusement, ce n'est pas le cas pour tous mes projets, sinon je n'arriverai plus à travailler. Mais je pense que c'est important d'insister sur... l'attachement affectif qu'on a, parce que c'est un métier de passion, comme vous avez pu le vivre aussi. Et donc, il y a un attachement très fort aux lieux sur lesquels on conçoit, on intervient. Et donc, c'est intéressant aussi d'y retourner pour voir comment ils évoluent. Et c'est aussi retourner sur les lieux, c'est un apprentissage permanent et qui permet justement d'affiner les projets suivants. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi mettre en lumière dans notre travail, c'est notre capacité à revenir sur place pour voir comment les choses évoluent. Mm-hmm. C'est intéressant, tu as un apprentissage permanent, tu as aussi dit, en fait, tu as l'air d'avoir appris tout du long, et il n'y a pas de quotidien très répétitif, parce qu'en fait, on apprend des nouvelles choses presque à chaque... projet. Il y a rarement deux projets vraiment similaires. Chaque projet demande de faire des recherches, de creuser, d'apprendre, de s'intéresser à des nouveaux problèmes techniques auxquels on n'avait jamais été confronté. Et donc il y a un peu cette dynamique de renouvellement qui est quand même chouette dans le métier aussi. Mm-hmm. Oui, de mise à jour aussi, parce qu'on a des nouvelles problématiques qui arrivent, les changements climatiques. Tu parlais de pépinières, c'est vrai qu'on ne plante pas aujourd'hui ce qu'on plantait il y a 20 ans. Mmh. Il faut qu'on soit hyper à jour, en fait, aussi de cette actualité-là. Il faut qu'on connaisse les bonnes personnes. Je pense que le réseau, c'est aussi essentiel dans ce métier. Et je rajouterais aussi à ce que tu décrivais, Simon, dans une espèce de journée. Je rajouterais qu'il faut qu'on travaille beaucoup sur la communication. Mmh. Parce que finalement, travailler sur un projet, c'est aussi arriver à savoir le partager, à le communiquer, à le co-construire parfois aussi. On est beaucoup plus dans le participatif maintenant que ce qu'on était il y a encore 20 ans. On fait participer le public à la conception parce que c'est devenu comme un exercice naturel. Ça veut dire qu'on est parfois aussi animateur, qu'on doit cadrer les interventions sur lesquelles on laisse le public jouer. Donc ce volet de communication sur l'oral, sur l'écrit, sur le graphisme, ça prend aussi beaucoup de temps. Et ça montre aussi une forme de grande polyvalence de ce que c'est que le paysagiste, parce qu'il doit être aussi à la manœuvre dans ses supports de communication. Et c'est la trace qu'il laisse aussi avant que le projet prenne son ampleur et trouve sa maturité. Mmh. Il doit convaincre, effectivement, convaincre par la parole, convaincre par la présence, convaincre par les différents moyens graphiques dont vous avez parlé. Convaincre par d'autres exemples aussi. On attend aussi du paysagiste qu'il ait une culture, qu'il sache ce qui se fait dans d'autres villes, qu'il puisse montrer que tel projet qui a réussi à tel endroit, ça pourrait marcher ici aussi. On apprend aussi en allant voir d'autres lieux, en allant voir comment c'est ailleurs. On est paysagiste 7 sur 7, 24 sur 24, hein, c'est ça en fait. Hein, parce que... Laure nous a fait partager un projet coup de cœur. Est-ce que vous pouvez aussi décrire un parmi les projets que vous avez eu, nombreux, mais un projet qui a été vraiment coup de cœur, dont vous êtes vraiment fière, qui vous a fondé aussi d'une certaine manière? Est-ce que... Moi, je dirais, je ne sais pas si j'en saurais en choisir un. Je sais qu'il y a eu des temps forts. Des moments de stress intégral parce que je ne me sentais pas à la hauteur de la mission qui m'était donnée et donc de devoir chercher, apprendre, fouiller, appeler des paysagistes plus anciens qui savaient résoudre mes problèmes.
des temps de grande intensité, parce que de grande communion avec les gens, ou quand les gens vous disent c'est trop beau ce que vous avez fait, il y a une satisfaction, on a l'impression qu'on a vraiment rempli son rôle. Des temps d'apprentissage, des temps de... Je pense que chaque projet était un peu une aventure, continue de l'être. Le tout, c'est qu'elles ne soient pas toutes les mêmes. Donc, effectivement, il y a un moment où on a besoin de se renouveler et avec les gens avec lesquels on travaille et sur les sujets sur lesquels on travaille. Et voilà, moi, j'ai pas de chouchou dans les projets. Là que j'ai moins aimé. Je ne le dirai pas. Alors, des chouchous de votre côté? Moi, j'en ai pas tant que ça non plus, mais un des projets sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps et qui était un projet que j'aimais pas énormément au départ là, de ce parc des expositions de Toulouse, en fait, au début me paniquait aussi parce que je me sentais pas à la hauteur de la mission qui m'était confiée. Et en fait, ça a été tout un temps long aussi d'arriver à apprivoiser un site, apprivoiser un projet qui n'était pas de ma conception initiale parce que je suis rentré en cours de processus, et apprivoiser aussi une maîtrise d'ouvrage et des collaborateurs pour arriver à rentrer dans m'intégrer dans une équipe et m'intégrer dans une modalité de fonctionnement, et en fait faire mien ce projet et commencer à interagir aussi avec lui, avec le site et avec les idées pour le transformer, qui était un projet en fait assez simple en soi, mais qui rejoint un peu ce que tu avais fait en Italie, mais d'intervention topographique assez à grande échelle pour canaliser en fait le chemin de l'eau et observer la végétation en fait qui se mettait en place suite à cette action topographique. Et c'est assez incroyable en fait, parce que après les premières interventions, l'année 1, l'année 2, l'année 3, la végétation s'est mise en place, il y a une faune aussi qui a commencé à apparaître, et bah, du coup je suis devenu un peu ornithologue amateur, j'étais un guide, j'ai regardé ce qui commençait à apparaître, c'était chouette, un vanneau huppé, une espèce de petit oiseau avec une huppe sur la tête, et j'étais super content en fait de ces rencontres aussi, qui sont une forme d'altérité qui est hyper importante. Et c'était intéressant parce que ce projet au départ il m'intéressait très peu et en fait par l'énergie aussi dédiée et par l'envie et par la relation que j'ai réussi à établir avec cette maîtrise d'ouvrage, j'ai réussi un peu à changer la direction et la trajectoire qu'il avait pour le construire avec eux, et du coup on a pu mettre en place d'autres modalités de pratique et de gestion, par exemple en travaillant avec un agriculteur local. Et du coup, en baissant les coûts de gestion de cet espace-là, en travaillant plus avec les acteurs et les ressources qui étaient sur place, et donc à ramener une logique qui, moi, m'était propre et qui était aussi largement issue de ce que j'ai appris dans cette école du paysage de Versailles, dans une pratique qui était, dans un dessin qui était plutôt catalan et très architecturé au départ. Voilà. D'accord, merci. Et Louise, vous, est-ce que... vous avez un projet chouchou ou... Moi, j'ai voulu travailler pendant l'agence que j'avais, qui était une agence plus de maîtrise d'œuvre. J'ai poussé pour avoir un projet de stratégie territoriale. Et à la fois, c'était un projet chouchou et un projet démon, qui est un peu dépassé, mais pour un plan de paysage de la transition. Et donc, du coup, là, c'était un peu différent comme pratique, parce que il ne s'agissait pas vraiment de transformer... un projet spatial, mais c'était un projet où il fallait un peu utiliser le paysage lui-même comme médiation pour montrer comment est-ce que la transition allait changer le paysage ou pas, quels choix pouvaient être faits, etc. Donc c'était un projet assez différent en fait de la maîtrise d'œuvre, mais de réflexion, de partage, qui était très, très intéressant, très long. C'est-à-dire que le paysage, là, peut être le passeur aussi, c'est ça, le passeur vers une ambition, ou faire passer des politiques publiques aussi, qui relèvent un peu du technique quelquefois. Et lorsque l'on passe par le paysage, on arrive à déclencher la compréhension aussi de ce à quoi on veut aboutir. Est-ce que vous voulez... témoigner là-dessus ou sur ce rôle-là, justement, du paysage pour parvenir à faire comprendre des choses qui parfois relèvent de techniques. Oui, j'ai un exemple très concret. En fait, je suis intervenue sur une petite commune du Finistère qui avait des problèmes de gestion hydraulique, de gestion pluviale, et en aval de cette commune, il y avait des ostréiculteurs. Donc, le besoin d'avoir une eau de très bonne qualité. Et donc, en fait, avec les ingénieurs hydrauliques,
on a créé des bassins d'orage à l'échelle de l'ensemble de la commune, enfin du bassin versant, puisque le bourg était sur un coteau, et donc on a créé des bassins d'orage de plusieurs milliers de mètres cubes, intégrés dans l'espace qui est composé, il y a à la fois des pâtures, des champs, des espaces naturels, et donc c'est vécu comme un lieu de promenade, alors que ce sont des ouvrages extrêmement techniques, mais qui se fondent en fait, qui sont perçus comme de l'espace naturel. Alors il y a un travail pédagogique d'accompagnement, effectivement de signalétique, qui explique en fait le fonctionnement du territoire, j'irais de la goutte d'eau qui tombe dans le centre du village qui est imperméable, et puis qui est progressivement purifié dans ces bassins avec des plantations, et qui après arrive, se jette dans la mer, enfin dans l'estuaire de la Ber, et qui est restitué propre pour les ostréiculteurs. Donc c'est intéressant de voir qu'au départ, la demande, c'est une problématique d'avoir de l'eau propre, et en fait qui conduit à s'intéresser à la fois au territoire et à le mettre en paysage grâce à des ouvrages techniques. Est-ce que quelqu'un d'autre peut témoigner de ça ou de cette côté facilitateur du paysage sur lequel vous vous appuyez Je pense que c'est un des aspects du métier en plus qui est en train d'évoluer de plus en plus, parce qu'en fait on travaille justement en termes d'innovation sur la gestion de l'eau, sur la question de la qualité des espaces urbains ou ce genre de choses, de plus en plus avec des techniciens et des ingénieurs sur ces questions-là. Et du coup, le métier évolue dans ce sens-là et permet de, pas contrecarrer, mais en fait de nuancer des discours qui sont des fois très technicistes, qui peuvent dire de la gestion classique des eaux, qu'on renvoyait tout dans les égouts et qu'on ne mettait pas du tout en lumière en fait, ce parcours à l'intérieur de la ville, de se dire qu'aujourd'hui, on peut le traiter d'une manière un peu différente, qui arrive à allier esthétique, qualité de vie, biodiversité et justement des modalités de gestion qui sont peut-être plus vertueuses aussi dans le principe. Et rendre poétique des ouvrages qui au départ ne sont pas du tout perçus comme... Il n'y a pas de volonté de poésie du tout. Et donc c'est bien dans notre rôle de pouvoir en fait joindre l'utile à l'agréable, on va dire. Enfin, joindre l'agréable à l'utile. Moi, je rebondis sur ce que tu dis. Je trouve très beau cette histoire de projet de la goutte à l'huître, quoi. Mais en fait, c'est pour ça que chaque projet est un peu une histoire. Le paysage, c'est quand même un domaine qui est très difficile à cerner. Je pense qu'on pourrait tous avoir une définition très particulière de ce que c'est. Et du coup, on a des teintes. On a des projets qui ont des teintes. On a des teintes agricoles, on a des teintes forestières, on a des teintes urbaines, teintes sociales. On a des teintes très naturelles, très hydrauliques, très techniques. Parfois, moi, je me sens... parfois, on nous appelle en tant qu'experts, parce que des fois, on est maître d'œuvre. Je trouve que c'est intéressant que tu aies effectivement montré qu'on pouvait être aussi en amont dans une forme de planification. Et souvent, la planification, elle sauve. Il faut quand même voir que quand on nous demande d'intervenir sur un site, le périmètre, il est déjà défini. Donc, le coup, il est déjà joué. Quand on commence à réfléchir sur de la planification, on est un peu sur de la stratégie. Et évidemment, je pense que le regard du paysagiste, il peut être aussi extrêmement stratégique. Il est pas, c'est vrai que c'est génial de faire des chantiers, donc on va aller sur de la maîtrise d'œuvre. Et puis parce que c'est le relooking extrême d'un site est quelque chose de très réjouissant. Et la stratégie, c'est parfois un petit peu plus difficile d'arriver à la vendre, parce que c'est du temps tellement long qu'on n'en voit pas forcément le résultat. Mais on porte parfois, actuellement, des stratégies qui ont été portées 10 ou 15 ans avant. Et dans des plans verts. Je lisais aujourd'hui une stratégie des années 70 qui s'appelle le manteau vert pour Évry. Je trouvais ça génial. Donc voilà, je trouve que le terme de paysage, qui est très difficile à définir, il arrive à comme un grand parasol, à chapeauter tout plein de disciplines extrêmement techniques et lui donner cette poésie dont tu parles et que je trouve très juste, cette sensibilité finalement parfois à faire... comme un bon patineur, disparaître la difficulté derrière quelque chose qui paraît évident. Et si ça s'oublie, je pense que c'est gagné. Je rajouterais qu'on a quelque chose de fantastique dans ce métier, c'est que dès qu'on parle de paysage, il y a un capital sympathie qui s'ouvre. Donc, on n'est pas perçu comme des gens méchants, pas perçu comme des empêcheurs de tourner en rond. Et donc, ça nous permet d'avancer masqué. Et finalement, d'utiliser beaucoup de stratégies pour arriver à changer les choses, à changer le regard, parce que c'est vrai que le paysage, c'est
Ça peut être de la transformation physique, mais c'est aussi de la transformation mentale, sociale. C'est comment on passe d'un espace que personne ne regardait et simplement en attirant, en racontant l'histoire du lieu, en attirant sur certains détails, tout d'un coup, les gens vont se rendre compte qu'ils ont, en fait, ils habitent à côté d'un trésor et qu'il n'y a pas forcément besoin, effectivement, de passer des gros morceaux de tractopelle, de remuer salutaire pour changer le regard sur les choses. Et ça, je pense que c'est un des points fondamentaux dans notre manière de faire, c'est aussi d'avoir la capacité à changer simplement par le regard des gens. On va peut-être prendre, il y a une question, on va peut-être la prendre. Alors, cette question, c'est: est-ce qu'un paysagiste suit ses projets? Comment vivent les projets que vous avez conduits? Êtes-vous sollicité après les avoir conduits? Qui prend? J'avais effectivement parlé de cette expérience incroyable. Alors, c'est effectivement un de mes projets chouchous, mais j'en ai d'autres. Bon, je souhaitais parler de cette expérience exceptionnelle où finalement on a gardé un contact amical avec un ancien client. Je vais raconter une anecdote et je rejoins les bassins hydrauliques. C'est qu'à chaque fois on dit, ben, voilà, vous n'aurez pas de l'eau tout le temps dans votre bassin, alors première déception. Et puis vous allez voir, plus c'est pollué, plus il y a de plantes qui vont pousser pour épurer. Et alors en général, donc, le bassin commence à faire son effet, un grand jour de pluie, alors tout le monde est content, il y a de l'eau, alors que la paysagiste nous avait dit qu'il n'y en aura pas tout le temps. Et puis, les plantes commencent à pousser, et ça pousse beaucoup. Et un jour, justement, un maître d'ouvrage m'appelle en panique, en me disant, mais c'était un plan d'eau, et alors il n'y a que des plantes partout, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débarrasse des plantes? Et il a fallu expliquer au client qu'en fait, s'il y avait plein de plantes, c'est qu'il avait de l'eau bien polluée, qui nourrissait bien les plantes et qu'elle jouait bien son rôle et qu'après, justement, ce qui sortait du bassin, c'était dépollué. Donc, c'est pour vous donner deux exemples qui n'ont rien à voir sur les relations, effectivement, post-chantier. Alors, par rapport au fait de suivre ou pas ces projets, je dirais qu'il y a certains professionnels qui les suivent plus ou moins à distance. Plus vous êtes proche géographiquement, plus c'est facile. Après, il y a des gens qui ont de l'appétence pour suivre leur chantier, d'autres qui en ont moins. Je dirais que c'est à géométrie très variable. Et puis, comment vivent les projets une fois qu'on est parti? Eh bien, là aussi, c'est très variable selon qu'on a réussi à faire passer la mémoire du projet, s'il y a une grande stabilité chez les élus et chez les techniciens, ou alors s'il y a un turnover très important et que le projet va évoluer dans un sens qui n'était pas forcément celui qu'on avait prévu, et parfois en bien, parfois en moins bien, mais bon, ça fait partie de la vie aussi, quoi. Contractuellement, en fait, si vous parlez de choses très concrètes, une relation entre un maître d'œuvre et son maître d'ouvrage, ça rentre dans un temps défini. Donc, si on n'a pas cet attachement à ce qu'on a fait, il y a un début et il y a une fin à un contrat. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà vu des projets, alors pour le coup très techniques, avec de l'arrosage automatique, un truc super beau. Et malheureusement, l'arrosage automatique était tombé en panne et le projet est mort en 2 ans. Donc, voilà, les choses ne sont pas toujours des réussites quand on travaille sur le vivant. Et effectivement, la question de comment est-ce qu'on fait grandir un projet, puisque nous, en fait, quand on livre le projet, il n'est pas au maximum de ce qui pourra devenir en beauté, en efficacité. Il a toute la vie pour grandir, quoi. Et nous, de le lâcher alors qu'il est à peine mature, c'est quelque chose d'assez frustrant. Et c'est vrai que, alors parfois il y a des maîtres d'ouvrage qui sont inspirés et qui font des espèces de contrats de suivi, mais c'est pas très courant. Et effectivement, soit on a réussi à transmettre aux équipes qui font l'entretien ce qu'avait fait Gilles Clément avec le jardin en mouvement, par exemple, si je parle de choses du XXe siècle, il avait formé les jardiniers, par exemple. Bon, et puis les équipes ont changé, le jardin en mouvement est mort. Voilà, après, il faut accepter que comme un bâtiment, on vit, il n'a pas non plus une durée de vie éternelle, mais nos projets, parfois, ils sont détournés, ils sont,
Les palettes végétales, bah, les villes ne savent pas les entretenir et du coup, ils les remplacent. Je me souviens de Jacqueline Osti sur le boulevard Richard Lenoir qui était triste de voir qu'on bah, avait remplacé sa belle palette végétale par des pensées. Oui, voilà, il y a une forme de dénaturation, mais aussi une forme d'appropriation, peut-être qu'il faut qu'on accepte. Oui, puis qui peut des fois être anticipé dans une certaine mesure, bon, enfin, dans la limite du possible aussi, mais de travailler en amont justement avec cette personne-là, c'est essayer de tâtonner pour voir justement la stabilité de ces équipes d'élus ou ces équipes de techniciens et d'arriver à pas forcément travailler avec des palettes de minéraux, enfin végétaux ou minéraux plus standardisés, mais d'essayer de contrôler aussi leur quotidien à eux, à ces techniciens, pour les pousser, un peu ce qu'avait fait Clément, dans des pratiques qui sont un peu différentes de ce qu'ils font habituellement. Et puis, je pense que c'est de notre responsabilité aussi quand parce que les maîtres d'ouvrage et leurs équipes, malgré tout, c'est très rare qu'il y ait de la stabilité. C'est aussi savoir dans ce qu'on conçoit, on est à peu près sûr qu'il va durer longtemps. Et puis, on doit lâcher des choses après tout. Est-ce que c'est grave? C'est vrai que c'était peut-être plus joli au départ, la palette végétale, mais le fond, il est là. C'est-à-dire l'aliment d'arbres, c'est des trottoirs généreux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites pour durer longtemps, et c'est problématique si elles ne durent pas longtemps. Et d'autres, bien voilà, il va y avoir des effets de mode. Par exemple, en ce moment, c'est les dump trucks ou les skateparks. Dans 5 ans, ça sera encore autre chose. Donc, il faut accepter aussi qu'il y ait des choses qui se renouvellent. Et c'est pour ça que je ne mets jamais d'arrosage automatique. Donc les plantes doivent se débrouiller toutes seules, comme dans la nature, où elles n'ont vraiment pas besoin de nous pour avoir de l'eau. Et donc c'est le meilleur moyen donc, d'avoir une pensée qui intègre une certaine rusticité, si je puis dire, dans le sens où ça doit savoir se débrouiller tout seul, même avec des coups de pioche malheureux. Alors, il y a une question qui arrive. Est-ce qu'un paysagiste gagne bien sa vie? Moi, je pense qu'à 50 ans, je dois gagner à peu près la même chose que vous. Mais comme vous l'avez compris, le but premier dans ce métier, ce n'est pas de bien gagner sa vie. On exerce ce métier et donc on gagne sa vie plus ou moins bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, si on veut être très à l'aise matériellement, c'est pas, enfin, on s'oriente pas du tout vers ce métier-là. Non pas que on gagne mal sa vie. Je dirais qu'il faut pas avoir des prétentions très luxueuses. Et puis après, tout dépend du statut que vous avez. C'est-à-dire que quand vous êtes salarié, ben, vous avez une relative stabilité. A fortiori quand vous êtes salarié du public. Et après, quand vous êtes chef d'entreprise, eh bien, c'est une précarité assumée. Il y a des moments où on gagne très bien sa vie, des moments où c'est plus difficile, comme c'est le cas actuellement avec la situation sanitaire, même si on ne fait pas partie des métiers les plus touchés. Donc c'est une précarité assumée et comme j'ai toujours vécu en sortant de l'école, donc je suis passée du statut étudiant au statut précaire chef d'entreprise, j'ai pas vu la différence. Et donc c'est plutôt sympathique. Je dis souvent, je suis pauvre de luxe. Je pense que c'est une question de quantité de travail aussi. Ouais. C'est-à-dire que, est-ce qu'on gagne bien sa vie? Oui, moi, je me sens pas malheureuse. Mais par contre, il y a un investissement de temps qui, quoi qu'il arrive, est très important. Mm-hmm. Je pense qu'on disait que, oui, les week-ends, moi, je sais que j'ai amené mes enfants en poussette, voir des projets, aller traverser pour aller à Lens, parce qu'effectivement, c'est du temps, c'est un investissement culturel. Et puis, c'est surtout un plaisir. Et après, évidemment, le salaire qu'on reçoit est proportionnel au temps qu'on passe, mais du coup, comme on y passe quand même beaucoup de temps, voilà, il faut vraiment avoir envie, parce que non, c'est pas forcément la motivation de l'argent qui va faire qu'on va devenir paysagiste. Et c'est plutôt la satisfaction de faire ce qu'on fait, mais parce que la passion ne fait pas non plus vivre au quotidien. Je pense qu'effectivement, il faut quand même être assez débrouillard pour pouvoir bien s'en sortir. Et voilà, il faut aller chercher le travail aussi. On a la chance quand même d'être payé pour aller se promener. Leur plancher est très modeste.
Non, je pense que gagner sa vie, c'est possible. La gagner beaucoup, c'est plus difficile. Mais c'est aussi un métier où on a la chance de pouvoir faire plein de voies différentes. On peut être en maîtrise d'œuvre dans une agence existante, monter son agence. On peut éventuellement enseigner. On peut faire de la recherche. On peut passer en maîtrise d'ouvrage. On peut écrire. Il y a des écrire. Enfin, il y a plusieurs façons d'exercer. Ce métier-là, on est beaucoup à être en maîtrise d'œuvre, mais en fait, dans notre promotion, enfin, j'imagine que c'est pareil dans toutes les promotions, il y a souvent beaucoup de façons d'exercer dans le paysage après. Ben après, oui, je pense qu'il y a, dans certaines configurations, il y a moyen de bien gagner sa vie. Mais c'est ça, c'est que ça demande beaucoup de travail. Enfin, moi, en tant que, mon expérience en tant que salarié, par exemple, d'une grosse structure, on peut gagner assez vite bien sa vie. Mais à un moment donné, moi personnellement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément l'objectif argent qui donnait sens à mon activité. Donc on a commencé à couper avec d'autres projets à côté, qui se sont révélés fructueux, donc pour qui on payait aussi dans une certaine mesure, mais qui nous donnent encore plus d'envie en fait de se lancer dans une autre forme de précarité, mais qui est une autre forme de liberté en termes d'exercice. Merci. Alors, autre question. Bonsoir, j'aimerais savoir si le DEP, donc le diplôme d'état de paysagiste, peut amener à concevoir des jardins privés et pas uniquement du grand territoire. Vous avez parlé de toutes les échelles tout à l'heure. Bah, il y en a. Je pense que c'est les appétences de chacun, en fait. Il y a des gens qui peuvent très bien gagner leur vie, d'ailleurs. Qui peuvent très bien gagner leur vie, oui, ça dépend du secteur. Ça dépend du privé. Ouais. Oui, d'autant que sous l'appellation jardin privé, ça va du jardin dans une résidence immobilière privée, par exemple, dans une résidence de logement, jusqu'à un jardin. Alors là, on peut fantasmer sur le riche milliardaire qui a un château. Moi, je ne l'ai jamais rencontré encore, mais... mais effectivement, dans l'absolu, l'exercice du jardin privé est tout à fait possible. D'ailleurs, selon les régions, par exemple, sur la Côte d'Azur, j'ai des amis paysagistes qui ont fait l'école du paysage et qui se sont orientés plutôt vers une clientèle privée qui existe dans cette région-là et qui existe peut-être dans d'autres régions. Mais après, c'est effectivement des questions de choix personnel. Là, le hasard a fait qu'on a quand même beaucoup parlé d'engagement social, du bien commun, de l'espace public, mais il y a des choses très intéressantes aussi qui se font dans le privé. Hein. Oui. C'est pas plus facile, hein, par contre. Non, c'est une autre histoire. C'est pas plus facile, mais c'est assez intéressant. Enfin, il y a des exemples d'exercices mixtes comme ça. Je me rappelle, je ne sais plus quel professionnel m'avait parlé de ça. Vous disiez qu'il testait beaucoup aussi. Enfin, le privé permet d'essayer pas mal de revêtements, de mélange de végétation, de typologie de contraste et de gestion qui nourrissent l'exercice plutôt dans le cadre public. Mais je pense que le privé a un intérêt aussi pour ça, c'est qu'il est peut-être plus foison, il est peut-être moins borné ou moins limité en termes pas borné, mais moins contrôlé en termes administratifs ou réglementaires. Mais il est des fois plus compliqué à gérer aussi en termes de gestion de clientèle et autre chose. Alors, autre question. Bonsoir, vos expériences ont l'air vraiment super. J'aurais voulu savoir si, en tant que paysagiste DPLG, donc on appelle DEP maintenant, hein, diplôme d'état de paysagiste, il est possible de travailler dans les parcs naturels régionaux, par exemple. Oui. Plusieurs d'entre nous travaillent dans des parcs naturels régionaux, oui. Alors là, du coup, alors c'est vrai que dans la question, ça peut être soit travailler ponctuellement dans des projets, soit salarié de parc, soit maître d'œuvre pour des parcs naturels régionaux. Ouais. Puisque je précise, les parcs naturels régionaux ont des chartes paysagères à faire, qui les engagent sur plusieurs années et qui renouvellent régulièrement. Donc le paysage, enfin l'engagement paysager fait partie de l'organisation, on va dire, administrative des parcs naturels régionaux. Dans les parcs naturels régionaux, il y a souvent un chargé de mission paysage. Et de la même façon, dans les CAUE, il y a souvent aussi un paysagiste en charge. Enfin, c'est un peu Et CAUE, donc, qui sont les conseils en architecture, urbanisme et environnement. Et il y en a généralement un par département. Et donc, voilà, il n'y a pas le P, malheureusement, dans CAUE. Mais c'est vrai que le CAUE a la compétence paysage aussi et fait appel à des paysagistes. Et donc, on peut travailler effectivement dans, dans,
dans des structures publiques, donc Valentine Arrigui au niveau d'une collectivité locale qui est la région, mais évidemment on peut aussi travailler quand on est paysagiste concepteur dans des communes, des villes hein, ou des communautés de communes. Donc c'est aussi ce même concours que celui que vous avez passé, c'est-à-dire ce concours d'ingénieur territorial. On en parlait tout à l'heure, mais je ne sais plus si vous en avez parlé pendant la table ronde, du coup. Ah, non, non. Bah alors voilà, bah c'est, ça peut être l'occasion. Oui, bah, du coup, la fonction publique, c'est la fonction publique travaille avec des fonctionnaires. Alors, elle travaille ponctuellement avec des contractuels, donc c'est-à-dire des gens qui sont sous contrat. Et après ça, idéalement, le contractuel doit passer des concours nationaux. Et voilà, celui qui, dans la filière dans laquelle on est, c'est la filière technique. On est incité très fortement pour intégrer de manière définitive ou sur une longue durée la fonction publique territoriale, de passer ce concours d'ingénieur territorial qui est un retour en arrière sur les méthodes d'apprentissage, puisque quand on était, moi j'exerçais depuis plus de 15 ans, quand j'ai repassé ces examens, c'était quand même assez lourd à intégrer dans une vie professionnelle. Donc plus on passe tôt, mieux c'est. Ouais. La mémoire fuit aussi avec l'âge. Et après, effectivement, une fois qu'on a dans la fonction publique, c'est pas forcément le métier qui importe, c'est le poste, c'est le grade. Et du coup, ça laisse aussi la libre expression d'évoluer sur d'autres variétés de postes qui ne sont pas forcément d'être paysagiste concepteur. Et ça, forcément, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'au sein de ces structures publiques, la présence du paysagiste, c'est important pour faire évoluer aussi l'état d'esprit, pour faire évoluer, enfin, faire comprendre justement, grâce au paysage aussi, hein, au personnel dans ces administrations, des choses hein, qui peuvent rester un peu techniques, leur ouvrir aussi leur champ de conscience, j'ai envie de dire, plus largement. Voilà. Et puis, c'est vrai que des paysagistes dans la fonction, dans la maîtrise d'ouvrage public, ben, c'est aussi des paysagistes concepteurs qui vont faire appel à d'autres paysagistes concepteurs pour faire de la maîtrise d'œuvre et pour réaliser les aménagements. Et donc, c'est important. Et donc, j'en profite pour signaler que ce concours d'ingénieur territorial, il est organisé tous les deux ans par le Centre national de la fonction publique territoriale. Donc, le dernier, c'était 2020. Donc le prochain, ce sera 2022. Et les paysagistes concepteurs, donc titulaires du diplôme d'état de paysagiste, peuvent s'inscrire à ce concours sans passer, ce qui était le cas avant, devant une commission d'équivalence. Hein. Donc voilà, il y a un accès direct, en tout cas maintenant, à ce concours pour les diplômés et les titulaires du DEP ou des PLG avant, bien sûr. Alors, il y a une autre question. Est-il plus intéressant de travailler pour les collectivités territoriales ou pour des particuliers? Ah, bah, c'est un écart, là, que vous demandez. Bah, c'est difficile de répondre à cette question. C'est un peu comme si on demande si c'est mieux de travailler dans un hôpital ou dans son cabinet. Les deux sont enrichissantes. Travailler pour les collectivités territoriales, c'est faire des marchés publics. Donc, c'est répondre à une commande publique. Donc le public, c'est, voilà, on en a déjà un peu parlé. On apprend énormément dans ce que c'est que les contraintes, la commande, la temporalité, le respect des délais, le budget, bien sûr, les finances, la gestion, les gens qui vont récupérer le projet derrière. Ceux qui ont aussi influence sur le projet, parce qu'on est, faut bien imaginer qu'un paysagiste concepteur n'est pas tout puissant. Et qu'il n'a pas droit de vie et de mort sur le projet, il est forcément pris à partie pour le faire évoluer. Et après ça, travailler pour des particuliers, bah, c'est rentrer dans une forme d'intimité, le particulier. Alors sans parler de privé, parce que là on a parlé de privé, là on est vraiment sur les particuliers. Travailler pour des particuliers, je dis rentrer dans une intimité, c'est vraiment ça, c'est essayer de comprendre ce que la personne veut. Mais pour pouvoir comprendre, il faut presque rentrer dans la psychologie des du familles. Couple. Du couple. Parfois, c'est un peu dérangeant. Oui. Mais après, je crois que c'est vraiment des questions d'affinité. Et puis, des gens qui ont des sensibilités, qui savent extrêmement bien gérer les particuliers, arriver
à gérer les hésitations et les changements de, et les changements de direction, mmh. Qui sont voilà, les changements d'avis. Voilà, donc question d'affinité. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une question. Non, mais enfin, alors du coup, moi je peux, en attendant peut-être d'autres questions, vous interpeller sur le fait. Alors, le paysagiste concepteur, il est parfois confondu avec l'entrepreneur de paysage. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, à l'occasion d'un projet, comment s'articulent ces deux professions ? Qui effectivement ne sont pas les mêmes, mais sont amenés à se côtoyer assez régulièrement dans les différentes étapes des projets que vous, vous conduisez. Alors, est-ce que... Non, déjà, il faut dire qu'avant, il y avait un métier très beau qu'on appelait jardinier. Je ne sais pas pourquoi, on ne parle plus de jardinier, sauf exception. Ça aurait permis d'éviter la confusion. Donc, effectivement... il y a l'entrepreneur paysagiste, en tout cas, qui fait le métier de jardinage, qui plante avec ses mains ou avec ses engins, qui lui construit le chantier, alors que nous, on le dessine, enfin, on dessine le projet. Donc ça, c'est quand même, c'est comme le maçon et l'architecte, en gros. Donc voilà, il y en a un qui exécute et l'autre qui conçoit. Après, il y a quand même de la perméabilité parce que l'entrepreneur, il a la connaissance du terrain, il a un gros retour d'expérience aussi de la faisabilité technique des choses, souvent bien plus que nous. Et donc, il y a un échange, il continue à participer à la conception, des fois en réorientant, en réajustant, en proposant des réajustements pour que le projet aille vers le mieux et un meilleur avenir. Mmh. Voilà. Tout est une question de point de vue aussi, puisque je raconte une anecdote. J'étais en début d'année avec notre apprenti paysagiste sur un chantier avec une entreprise, et l'entreprise n'arrêtait pas de parler de l'architecte, et l'architecte veut ceci, et il parle à ses équipes, l'architecte. Et au bout d'un moment, je discute avec mon apprenti, je lui dis, mais en fait, Lali, l'architecte, c'est toi. Lui, il est le paysagiste et toi, tu es l'architecte. Alors que dans la réalité, toi, tu es le paysagiste et lui, c'est l'entrepreneur. Donc, effectivement, il y a une forme de confusion qui n'est pas toujours très compréhensible dans les relations entre les uns et les autres. Tant et si bien que finalement, on nous demande parfois des choses, même dans la vie privée, on me demande, moi, est-ce que ma plante verte va bien ? Mais en fait, je ne sais pas tenir une plante verte chez moi. Donc... voilà, oui, c'est ça. Désolée, je suis très mauvaise jardinière. J'aurais adoré, mais je fais crever les plantes, c'est comme ça. Non, mais oui, je trouve qu'effectivement, il y a de la confusion, mais il y a de la confusion aussi sur les termes de paysage. Donc, il faut accepter cette espèce de grand flou artistique. Et je pense qu'en fait, on arrive à s'affirmer quand on se connaît et finalement quand on arrive à répondre à des questions. Le métier, moi, je trouve qu'il est, voilà, il est un peu amibe, il est un peu hybride. Mais tant pis. J'en profite d'ailleurs pour dire, parce que vous accueillez actuellement Lali, dont vous parlez, qui est une étudiante en paysage en troisième année, hein, qui a choisi de faire son cursus par la voie de l'apprentissage, donc en deuxième et troisième année. Donc, j'expliquais ça aussi ce matin, ou tout à l'heure, en début d'après-midi, dans ma présentation, hein, les étudiants... nous avons à l'école un réseau de structures, entreprises, structures publiques, collectivités qui accueillent nos étudiants pour faire un cursus par alternance. Et c'est une grande chance pour nous aussi, en fait, de travailler avec Lali, mais de travailler avec un apprenti, je pense que c'est quelque chose de très enrichissant, en fait. Alors, une nouvelle question. Certains paysagistes ne font-ils pas les deux, conception et réalisation, évidemment sur une petite échelle? Alors, ça peut se faire aussi à grande échelle. Alors, c'est pas tant... Au sens d'entrepreneur du paysage, du coup, hein, ouais. Faut comprendre la question. Voilà. Alors, en commande publique, il est interdit d'exercer les deux. On ne peut pas être à la fois concepteur et entrepreneur. Donc, si on s'oriente vers des marchés publics, on sera soit l'un, soit l'autre. Par contre, quand on travaille dans le privé, on peut très bien être les deux. D'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises... d'espaces verts,
de jardinage, de paysage, il y a un bureau d'études et donc qui a parmi ses salariés des concepteurs, notamment pour la clientèle privée. Parce qu'il faut savoir que la clientèle privée, notamment de particuliers, la plupart du temps ne va pas passer par des paysagistes concepteurs qui ont leur agence. Ils passent plutôt par des entrepreneurs qui vont leur concevoir aussi le projet. C'est un peu du clé en main, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont faire et la conception et la réalisation. Après, il y a des statuts très spécifiques de gens qui ont un statut plutôt d'artiste qui vont pouvoir, grâce à ce statut un peu particulier, être à la fois concepteur et puis participer à la création de leur œuvre. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est pour des ces différences se font pour des questions d'assurance, donc de responsabilité. C'est pour ça qu'en commande publique, classiquement, c'est vraiment deux métiers séparés, pour pas qu'il y ait non plus confusion des genres et problème de connivence d'intérêt. Voilà. Alors, on revient sur une question tout à l'heure. Bonjour, je réagis à une question précédente. Pouvez-vous me donner un des exemples de projets au sein de PNR, donc de parcs naturels régionaux, pour mieux comprendre ce qu'on peut y faire? Pardon. Moi, j'ai fait un projet d'étude stratégique, donc un plan de paysage qui était commandé par le PNR. Le PNR étant la maîtrise d'ouvrage pour réaliser cette étude. Donc, c'était une étude plutôt stratégique. En fait, le PNR en soi, le parc naturel régional, c'est une collectivité qui n'a pas de compétence d'aménagement, qui a une compétence beaucoup d'accompagnement des collectivités, mais qui ne va pas pouvoir elle-même construire quelque chose. Donc après, c'était plutôt une étude en effet stratégique. En vue de l'élaboration de la charte, sa charte paysagère dont elle a l'obligation, comme le disait Laure Plancher tout à l'heure. On peut travailler pour des communes qui font partie d'un PNR, donc qui sont adhérentes à cette charte et qui défendent les mêmes objectifs. L'exemple du plan de paysage, c'était ça. Et en plus, tu as un commanditaire, l'entité PNR, et notre cliente était une paysagiste de Versailles qui travaillait pour le PNR, qui était la chargée de mission de paysage pour PNR. Mmh. Et donc qui préétablissait justement les éléments de charte et qui était capable de générer des marchés ensuite auxquels nous on répondait en tant que maître d'œuvre en l'occurrence dans ce cadre-là. Je ne sais pas si vous avez eu d'autres expériences. Une autre question. Le métier de conception de paysages virtuels en 3D dans le jeu vidéo serait-il un débouché envisageable, sachant qu'il demande une lecture singulière et qualifiée du paysage? Alors, je peux peut-être répondre. T'attendais. Je suis nulle en jeu vidéo. Mais il se trouve qu'une fois, pour la reconstitution d'un jardin historique qui avait disparu en Alsace, une boîte donc, qui fait des jeux vidéo et qui fait de la réalité virtuelle m'a missionné pour concevoir, enfin pour restituer, pour l'y modéliser en 3D ce jardin disparu. Donc moi j'ai récupéré les plans historiques, les perspectives, et donc je lui ai fait un dessin technique, et après le graphiste a habillé, ce qui a permis de faire un petit film. Donc ça, c'est mon expérience, on va dire, sur ce créneau-là. Je pense très honnêtement, pour en avoir discuté avec justement le chef d'entreprise qui avait cette boîte à côté de Nantes, en fait, c'est des graphistes qui sont passionnés, qui s'intéressent au territoire, à l'architecture, qui ont beaucoup de capacités d'imagination. Et fondamentalement, je ne suis pas persuadée qu'il soit nécessaire d'être paysagiste pour faire des paysages virtuels. D'ailleurs, je pense que la plupart des jeux vidéo très complexes n'ont pas fait appel à des paysagistes. Ça peut être un créneau, mais ça veut dire qu'il va falloir avoir des compétences graphiques et notamment informatiques associées extrêmement pointues. Après, c'est peut-être une niche. c'est pas celle qu'on développe pour l'instant à l'école, mais pourquoi pas. Non, mais c'est des sujets qui sortent aussi au sein de l'école depuis quelques années. Il me semble que certains jeux vidéo ont fait appel à des consultants, paysagistes, justement, pour arriver à stabiliser des ambiances. Je pense à des jeux vidéo de très, très grande échelle, où les cartes sont très complexes, où
les mondes, en fait, c'est complètement des vrais mondes en fait, qui sont créés de manière virtuelle et qui ont fait appel à des paysagistes pour la conception et la véracité ou d'arriver à ancrer justement ces formes de paysages dans des réalités, à des historiens aussi, dans une certaine mesure, donc c'est vraiment un panel assez large. De là, en faire un débouché pour l'école, je ne suis pas hyper sûr parce que c'est vraiment ce mélange des deux. Mais par contre, c'est un des vecteurs qui a été... Enfin, qui est, enfin, le médium 3D et la visualisation 3D et la réalité virtuelle, même dans le cas du paysage, est un des médiums assez intéressants aussi dans les vecteurs de communication dont on parlait tout à l'heure. Et je pense que ouais, ça peut être pas un débouché tout de suite, mais par contre, le lien entre les deux est quand même assez intéressant. Alors, on va aborder les dernières minutes de notre table ronde. Est-ce que vous auriez, vous, des conseils pour les futurs étudiants qui voudraient, ou des candidats qui voudraient venir à l'école du paysage et faire leurs études à l'école du paysage de Versailles-Marseille pour ensuite exercer le métier. Qu'est-ce que, peut-être en termes d'aptitude ou de posture, qu'est-ce qui... Moi, je me dis qu'il faut avoir l'esprit très ouvert. Parce que finalement, quand on arrive dans un cursus, quand on sort du lycée... ou quand on sort d'un cursus un peu spécialisé, on arrive ici à se confronter à des matières très différentes. Il faut être curieux de manière permanente. On fait de l'art plastique, de la géographie, de la toponymie, de l'histoire, du projet, de la technique, de l'hydraulique. On touche un peu à tous les sujets. Donc, je pense que la curiosité, c'est vraiment, je pense, la qualité un peu nécessaire. Il faut aller au cinéma quand ils sont ouverts. Il faut... On ne met pas le couteau dans la plaie. Il faut aller se balader la nuit dans la ville. Il faut écouter, sentir. Ouais, je pense que c'est la clé de l'éveil. Et je pense que quand on sort des études très académiques de nos lycées, c'est une forme de réveil de soi, d'arriver dans des études qui nous permettent de nous épanouir dans ce sens-là. Mmh. Moi, je l'ai vécu comme ça. Et voilà, je suis sortie de prison quand je suis arrivée ici. Mmh. Oui, je me rappelle du concours. Enfin, je ne sais pas s'il est exactement sur le même format que quand on l'a passé, mais bon, je l'ai passé deux fois. Je l'ai raté la première, mais en arrivant à me dire que, en fait, ce qui était jugé, c'était la curiosité. C'est vraiment ce mot-là quoi, qui m'est venu à l'esprit, qu'on pouvait venir de n'importe quelle forme de cursus. Ce qui intéressait le jury et ce qui nous faisait paysagistes potentiels pour rentrer dans l'école, c'était notre capacité à être curieux, de comprendre comment le monde se structurait en fait, autour de nous, avant que l'école puisse nous apprendre comment on pouvait participer de cette transformation et à quel degré on voulait participer de cette transformation. Et cette curiosité, elle est tout le temps là. Enfin, je pense que l'école arrive à étancher une forme de la soif qu'on a quand on rentre, et en même temps qu'elle ouvre énormément de portes et qu'elle va générer justement cet appétit permanent à essayer de comprendre et à essayer de voir bah, comment solutionner des choses, des problèmes qui n'existent pas d'ailleurs 10 ans auparavant dans des questions d'aménagement, et d'essayer d'anticiper même sur des formes d'usage, la trottinette, le gyro machin, je ne sais pas comment tourne. Ça se termine, ce qui tourne, et qui est une forme d'anticipation et de désir en fait de comprendre ces éléments-là. Ouais, des fois, on se dit qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans cet espace-là, pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller s'asseoir à tel endroit, ou pourquoi est-ce qu'on trouve que cette place-là, elle est particulièrement cool, et ça, d'essayer d'être, poser la question de qu'est-ce qui rend les espaces, certains espaces différents et qui fait qu'on se sent bien dans certains et pas bien dans d'autres. Et parce que cette expérience, on l'a tous, en fait, ça tout le monde peut faire l'expérience du paysage qui fait la différence de notre métier, c'est je crois de savoir les trucs pour le construire après ou pour le modifier. Et moi, je trouve que c'est un exercice intéressant à faire à tous les âges. Quoi, Oui, une forme d'empathie, en fait, que je trouve très juste. Et concevoir pour les autres, ça veut dire se mettre à la place des autres aussi pour savoir comment ils vont vivre. Après, on imagine, on projette, et c'est peut-être pas comme ça que ça va marcher, mais on est surpris, et ça paraissait bien. C'est vrai que pour concevoir, on est obligé, d'une certaine manière, d'entrer en empathie. Mm-hmm. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette empathie naturelle et cette curiosité naturelle, on n'arrive pas à observer, et c'est dans cet attachement affectif que se crée le projet, en fait. C'est donc
C'est pour ça qu'il faut être capable, et c'est vrai, c'est aussi un apprentissage, de savoir entrer en résonance un petit peu avec les lieux, avec les gens, d'écouter les histoires, mais de savoir aussi en raconter. Et de l'acte de création, en fait, fait partie en fait de l'histoire qui se construit. Et c'est vraiment important, justement, de pouvoir être à l'écoute des lieux, de leur histoire, des gens qui sont dessus, de la végétation, des animaux. Enfin, c'est effectivement de la géologie. C'est une très, très grande richesse. Et les projets s'inspirent, se nourrissent pleinement, en fait, de toutes ces observations et de ces découvertes. Moi, j'ai souvent la sensation, je me partage entre Irma voyante en regardant les cartes anciennes et Indiana Jones, chasseur de trésors. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un métier très, très réjouissant. Et des difficultés pendant vos études? Est-ce qu'il y a certains moments où vous aviez envie de jeter l'éponge, mais vous avez réussi à dépasser ces moments-là pour justement atteindre après ces moments d'extase presque que vous nous écrivez dans vos études. Non, ils sont très sympas, ça se passe très bien à l'école du Pays-Bas, personne n'a de problème en arrivant. C'est plutôt en partant que l'on a le cœur serré. Non, il y a une mise à nu. Moi, personnellement, il y a une mise à nu qui m'a été difficile pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas vraiment personnel, c'est que les projets... C'est des choses qui nous sont propres. C'est notre compréhension d'un site, notre compréhension d'un programme ou des enjeux, notre projection dans qu'est-ce que peut en être la transformation et le futur. Et ça, il faut à un moment donné le livrer, le présenter et se mettre à nu devant des gens et exposer cette idée-là. Mmh. Et c'est très déstabilisant au début et c'est très, très enrichissant une fois l'étape franchie. Très formateur. Et très formateur, ouais. On apprend beaucoup sur soi-même, c'est vraiment, enfin c'est des expériences que tout le monde devrait vivre en fait, parce que c'est, on sort de ça meilleur, et on se rend compte, enfin, la compilation des différentes expériences permet de se dire que bah, y a des fois on est moins bon aussi, que c'est pas forcément très grave, et qu'il y a des fois on est meilleur sur d'autres projets, et ça aide à avancer. Ah bah c'est un petit peu loin, mais du coup, le filtre de la mémoire garde les meilleurs souvenirs. Non, je pense qu'il y a la chance qu'on a dans cette école, c'est d'être une promotion qui est quand même de petite taille. Du coup, ça crée des synergies, ça fait c'est un lieu qui est assez génial aussi. Du coup, il y a un attachement aussi vraiment au lieu. C'est vrai qu'on y revient. Moi, du coup, j'ai des souvenirs de travail en équipe. Et puis, à l'époque, on avait aussi des formations très, très, très diversifiées avec des gens de tous les âges. Et du coup, de partager des moments complices de réflexion. Alors, il y a aussi pas que de la réflexion et de l'intellectualisation, mais il y a beaucoup de fêtes aussi, si je me souviens bien. Mais oui, tout le monde avance quand même dans la même direction. Et ça, c'est assez réjouissant de partager ça. Dans les difficultés, finalement, moi, je vois plutôt celles que j'ai revues récemment dans l'organisation des étudiants. C'est de devoir faire beaucoup de choses en même temps. C'est ce que tu disais aussi, finalement, c'est de se confronter à plein de rendus un peu en même temps. Parfois, de dire que, mais attendez, vous ne me laissez pas suffisamment de temps pour aller jusqu'au bout de ce que je veux faire dans la réflexion. Et ben c'est aussi la vie d'un professionnel. C'est qu'à un moment, il faut arriver à se dire, ben là, je m'arrête. Et puis là, je vais investir beaucoup là-dessus. Et donc, oui, il y a ce devoir de faire tout avancer en même temps dans des matières qui sont extrêmement variées et qui font appel à des connaissances qui sont, ou des compétences qui sont aussi très diversifiées. Donc, peut-être que c'est l'organisation, c'est effectivement parfois un peu difficile de la mettre en place pour bien doser le travail et le plaisir. Et formateur pour la suite. Absolument. Ouais. D'autres souvenirs? Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup des autres élèves. Enfin, on apprend de certains cours, mais on apprend aussi d'être de profils différents faisant le même cours. Alors, pour certains, ça paraît... hyper facile, bah oui, tu sais pas qu'une bordure, faut la mettre sur tant d'épaisseur de grave, etc. Pour d'autres, ça paraît complètement nouveau, et après, ça s'inverse au cours suivant, sur l'histoire des jardins, ça s'inverse sur le dessin. Bah, en tout cas, sur la première année, où il y a
Il y a ce moment où tout le monde ne vient pas avec le même profil et ça et ça s'harmonise et on apprend beaucoup de discuter avec les autres élèves autant que... Ce n'est pas vraiment une difficulté, hein, mais c'est juste qu'il ne faut pas... Des fois, on a tendance à dire, mais ça, je le sais déjà, ça m'est égal, je n'aurais pas la peine de me faire autant d'heures de cours là-dessus, alors qu'en fait... Il y a une petite question, une dernière question qui arrive, c'est ça. Alors, pensez-vous que votre BTS AAP et votre licence d'art appliqué vous ont préparé d'une façon satisfaisante pour le concours externe avec le recul ? Oui, alors moi je me souviens qu'en BTS art appliqué, on était trois à vouloir passer le concours de paysage et que du coup on avait travaillé un peu spécifiquement sur le format de l'épreuve, on s'était entraîné sur les formats et tout. En fait, je pense que c'était plus préparé pour le concours que pour l'école, moi, au final. Mais, Après, c'est vrai que tout le monde, enfin, loin de là, hein, les candidats n'ont pas tous, loin de là, un background en art appliqué avant de passer le concours. Et pour autant, ça ne les empêche pas d'être admis aussi. Hein, tout à fait. Est-ce qu'un souvenir, Laure? Alors, moi, je ne pourrais pas parler des arts appliqués parce que j'ai fait de l'horticulture avant. Oui. Donc... J'ai fait un BTS d'horticulture, donc une formation très pratique qui formait plutôt des entrepreneurs. Et alors avec des choses très bien, des choses différentes, mais qui est complémentaire, mais qui ne m'a pas, je dirais pas que ça m'a préparé à l'école du paysage, mais j'en avais envie depuis bien avant. Donc voilà, je savais que c'était une formation complémentaire qui pouvait enrichir. Mais c'est vrai que l'apprentissage... à l'école par la multiplicité des origines des étudiants, tant géographique que sociologique et des cursus précédents, est vraiment un enrichissement très très fort. Et pour la question du BTS AAP, c'est pour aménagement paysager. Oui, sans doute. Ouais, c'est pas arts appliqués. Non, c'est arts appliqués, c'est plutôt en art. Hein. C'est plutôt en art, ouais, arts appliqués. Ouais. Pas de problème. Je pense que nous allons arrêter cette table ronde. Merci beaucoup à vous d'être venus jusqu'à l'École supérieure de paysage pour cette table ronde. J'espère que de l'autre côté de la caméra, ça vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses et que ça a pu répondre aussi à pas mal de vos questions. Alors, il y aura une deuxième table ronde demain, samedi 30 janvier à 16h. Avec d'autres professionnels, d'autres paysagistes concepteurs. Et puis, donc le programme de demain, il ne commence pas à 16h. Vous aurez une première conférence à 10h pour expliquer le cursus DEP à Versailles, une autre conférence à 11h30 pour le cursus DEP à Marseille, et à 14h, c'est le moment des étudiants. Donc, vous aurez des représentants étudiants qui vous parleront de la vie étudiante sur les deux sites de l'école et qui vous feront partager aussi leur expérience de leurs études en paysage. Voilà, à très bientôt et bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.